Hey, bien le bonsoir à tous, bien le bonsoir Zeniman, merci par la même occasion pour ton resub des 3 mois. Incroyable, comme c'est marqué, incroyable. Merci. Quelle est donc cette vidéo? On va regarder ça après tous ensemble. Salut Mixou, bien le bonsoir à toi également. Comment allez-vous? Salut Revolve. Salut à vous. Avez-vous passé un fucking bon week-end? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Ça va, tranquille. Dans 3 siècles? Ah. Dans 3 siècles? Dans 3 mois. 3 mois. Pas mal. 3 mois. Pas mal. Pas mal, The Newman, pas mal. Bien le bonsoir, Nas. Comment vas-tu? Espèce de snowbird. Je pense qu'il a dû payer le billet. Enfin, pas le billet, mais le. Enfin, je suis le billet, je crois que c'est un billet. Ah, je t'ai appelé sur Discord, tu m'as pas répondu. Bon, ça open. Hop là, la manette. Open, open. Tac, c'est parti. Alors. Sur Discord, hein, pardon. Je crois que j'ai dit autre chose, je sais plus. Ça, c'était fait, on est bon. Pas de soucis, je voulais savoir si t'avais tout préparé pour. Hip-ho! Parce que oui, on fait pas du Spyro après Mario Maker, on fera du Hip-Ho avec Nas. Vous allez pouvoir entendre sa douce voix. Ça va être incroyable. Je vais s'amuser. Ça va être fun, ça va être fun. Hein. J'ai très mal dormi dans la nuit de samedi à dimanche à cause d'une rage de dents, mais depuis ça va mieux. Ah merde. Bah si depuis ça va mieux, ça va, c'est le principal. Hip-Ho. Heave. Attends, je te l'écris. Je vais faire tout ma mettre à chaque fois. Ouais, Nas te l'écrit. C'est un jeu multi-fun où on s'amuse un peu. Voilà. D'ailleurs, il y aura 2 places peut-être hein, pour tes heureux élus s'ils veulent jouer. Bon, eh bien, Mario Maker, c'est parti! Allez, petit niveau de Revolve pour commencer. Ça va être marrant, ouais. Ça va être plutôt rigolo. Du coup, j'ai sacrifié Spyro pour aujourd'hui. PVF. VJP. NLG. Tim-pa-dim-pa. Bah comme ça, oui. Ah bah oui. C'est vrai que du coup, si je prends de l'avance, je vais risquer de te spoiler un petit peu après. It's jungle out there. One checkpoint. Ok. Bon, je suis désolé, mais j'ai soif. Hein. Donc vous allez me voir boire. Fantastique! C'est n'importe quoi! Tu me sois le bras comme ça, j'y joue ce soir, peut-être en live. D'accord, ouais, je passerai peut-être du coup. Je passerai sûrement, ouais. Alors bon, j'ai pas tout suivi, on va reset. Hein. Non, on va pas reset. D'accord. Ok. J'aime bien ces niveaux Revolve, hein. Ils sont souvent en termes de gameplay ressemblants. C'est toujours un plaisir. Bon, là, ça marche pas très bien. Mais c'est toujours un plaisir. Il voit du contact. Non, c'est de la vitelle. Ah merde. C'est de la vitelle parce que je la trouve beaucoup moins épaisse que la contrex. Enfin, contrex, oui. En même temps, je vois pas le contrex, mais que de l'évian ou autre. Sur la période de la cristalline aussi. Il préfère des plaies recyclables aussi. Enfin, pas recyclables, mais. Enfin, voilà, avec du truc biodégradable, on va dire. Bonjour Ali, bien le bonsoir l'ami, comment vas-tu? J'ai tendance à vouloir aller trop loin à chaque fois. C'est un problème. Salut Vertigle! Bien le bonsoir l'ami, comment allez-vous? Ok, on est nul hein, on est nul, hein. Je dis pas on est nul là. On va peut-être pouvoir, je sais pas, s'en sortir un peu. Oui Todd! Yes! Ça commence très bien, dis donc. On régresse. C'est ça? That is it? What I have to do? Pas du tout. Je crois que j'ai un petit peu trop forcé là. Le partenaire minceur. Si. Ah, quel con.
Vitalo, bon petit goût de montagne, on y sent la saveur du rocher. C'est vrai, les petits minéraux là, un petit régal. Pourquoi j'y arrive pas? C'est parce qu'on est lundi. C'est lundi, c'est sûr. La bomba! Quoi? Mais je suis con! Ah, il faut la bombe! Ah, j'avais raison tout à l'heure alors. Ça, j'ai du mal à ça. Bon. Concentration. Mais il la pousse tout seul, je suis trop con! Pourquoi je veux la pousser moi-même? Imbécile. Ça, ça marche beaucoup mieux quand on se concentre. C'est vraiment bizarre ce jeu. La concentration, on joue mieux après. Ah. Enfin, on joue mieux, bon, c'est relatif. Hein. Ça reste relatif. Moi, je bois de la cristalline parce que je suis pauvre. Je bois de la cristalline aussi, d'habitude. Parce que je suis pauvre aussi. Ok. Non, ben non, pourquoi je veux faire être... Je vais faire le taf à la place des tombes à chaque fois. C'est fou ça! C'est fou ça! Non, bah non, j'ai voulu recommencer. C'est rigolo ça! Ah, ça c'est pas drôle du tout ça par contre. Ok, j'ai compris. C'est très stylé, vraiment très stylé. J'étais bon, je crus que j'étais pas dessus. Et il y avait de quoi croire qu'on était pas dessus quand même. Hein. Parce que j'étais un petit peu à côté au début. Youhou! Allez, salut. Ouais, la fête. Fête au village, excellent. Tac, dégage. La manette. Mais je suis complètement débile. Bon d'ailleurs, on se demande pourquoi il est pas mort avant, parce que moi j'ai vu les 200 points de t'as tué le mob. Mais j'ai aussi vu Todd faire ah, je suis mort. Donc bon, c'est pas compréhensible. Ne soyons pas de mauvaise foi, le jeu est bien fait. Ne commençons pas cette mauvaise foi. Nique-toi. Montez sur le canon. Ah oui, d'accord, mais plus rapidement que ça. Très bien. Un peu plus rapidement que ça, quand même. We have not to déconner. Ok. Oh, sa mère. Ah. Vous voyez la mètre comment ça jette en l'air à chaque fois? C'est pas moi, hein, moi j'appuie à droite. Hein. La mètre veut appuyer en haut, tout le temps. Parce qu'elle est malade. C'est une manette malade. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas trop. Donc là, c'est pas simple. Faut que j'aille s'appuyer le jump. Je me fais à chaque fois niquer avec ça. J'ai tendance à pas appuyer le jump quand je prends Yoshi sur une scie. Du coup, bah ça rebondit pas. Et c'est un problème. Parce qu'il faut rebondir. Il faut savoir rebondir. Il ne faut jamais laisser garder les choses comme acquises. Il faut rebondir tout le temps. Ce n'est pas sérieux. Imagine les bourges qui boivent de la Kesak. C'est pas bon la Kesak en plus. Bah, moi j'aime pas. J'aime pas ça. Pourquoi je suis si nul? Mais quel con. Je vois Z, j'ai envie de Z. Mais faut Z au prochain saut, crétin. Au prochain, Todd! Ah non, d'accord, moi je suis complètement débile, moi, en fait. Ah oui, d'accord, oui, Todd, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, il veut rebondir sur le fantôme, bah oui. Ouais, 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 ouais. Bien joué. Extrêmement bonne idée, ça. Je te félicite. C'est faux, t'es de merde.
Yoshi! Youhou! Bon, le niveau est très cool, hein. J'ai un peu galéré, mais c'est pas si dur, mais c'est très cool. Très très cool. Boum! Nice! Merci! Bon, c'était cool, hein. C'était vraiment cool. Un peu de galère, un petit peu de galère, mais ça va. Et jungle out there. Passons au niveau suivant. Niveau de The Only Human. Petite idée. Est-ce qu'on est toujours à 7 subs au fait hein? À 7 points subs. Pas du tout, on est à 5. Aïe 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 aïe, sacrilège. Nous sommes à 5 points subs, c'est trop peu. On s'éloigne des 15. Pour avoir l'emote. Quelle gênance. Ok. Everything is ok. T'es un bon Twitcher? Bah merci. Merci Ali. Si ça te plaît, je suis content. Bah non, c'est pas bon. Mais c'est une boisson de Bourges. C'est comme leur whisky vieux de 40 piges qu'ils font genre de boire avec plaisir alors que ça coûte cher, alors que c'est du torche boyau leur truc. C'est vrai que c'est très très fort. Et c'est pas forcément très très bon en plus. Enfin si, un bon whisky, tu le sens quand même. Que c'est bon. Mais bon. C'est vrai que pour le prix des fois, bon, on va peut-être se calmer quoi. Trentelle. Ça fait beaucoup. KKG. KKG. Mais j'ai pas appuyé start. Ok. Comment ça, introuvable? DBJ. Trentelle. Ah bah oui, j'ai inversé le KKG. Oh! The Only Human! T'as pété un plomb! T'as pété un plomb, The Only Human! Mais je te remercie pour ces 5 subs! Ces 5 gifts, je te remercie grandement, l'ami! Grandement, grandement, grandement! Bah merci, merci beaucoup! Vraiment merci, l'ami! Bon, ben, on est à 10 subs! Voilà, on est à 10 points subs! Donc, effectivement, on se rapproche doucement des 15! Ce qui veut dire qu'on a bientôt une émote en plus! Salut Gamers au passage du coup. Tu ne peux pas passer en... Voilà, en... Juste comme ça, on te spot. On te spot avec un petit sub. Bah GG à Greenou, GG à Gamers, GG à Revolve, GG à Ali. Et à Celerion. GG à vous pour votre sub offert par The Only Human. Grange, merci à toi. Oh, sacré emote ça aussi que j'ai. Bah merci pour cette emote, elle est marrante. Ah, tu peux guider sub à des gens qui sont pas là. Je ne savais point. Je ne savais point. Bon alors, c'est parti. Legend of the Flower Tower. Mario tries to steal the ancient fire flower located on top of another tower. Yeah. Il devrait mettre Todd rouge sur mon... Non, je pense pas. Je pense que le Todd bleu, il est justement spécial, tu vois. Il a quelque chose de particulier, il a quelque chose d'unique. Le Todd rouge, ils sont tous pareils, tu vois. Enfin, genre, ils sont 50 à être Todd rouge. Le bleu, bon, ils sont peut-être nombreux aussi, mais... Mais au moins, il est un peu plus unique, je trouve. Du coup, je préfère en bleu, moi. Nice, c'est une petite blonde. Pas possible. J'ai déjà fait un niveau du genre qui était très sympa. Je suis nul, à chier. Nul à chier. Nul as fuck. Wow. Oh, sacré... Ouf. Aïe oh. Bah non. Salut Kai Galaxia, bien le bonsoir l'ami, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va très bien. Les modes s'appellent blonde. Putain, ils ont pas forcé quoi. Ils ont pas forcé chez Twitch. Putain, celui-là, faut que je fasse un saut de petite fille. Bah, en fait, j'ai envie de me. Ça passe pas. Dommage, Lazare n'a pas choisi Vertical en sub. Après, j'aurais été obligé de faire son niveau sinon. Mince. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il sub, je suis obligé de faire son niveau? Mince. J'aurais dû me taire.
Ça passe. Bah si ça passe, oui, mais si je suis le con, voilà. Oh bordel de merde. Poudoupou. Badap. Mais monte, s'il te plaît. Respecte un peu. Ah oui, d'accord. Gros respect. Très très gros respect là. Nope. Ok, et là on va redescendre avec du bleu, je crois. Je crois que c'est ça. Ok, voilà, à chaque pointe et une fleur. Oh merci le vent. C'est très généreux. C'est très généreux à toi. Oh là, c'est l'armée. Qu'est-ce que t'as, toi? Hop là. Ah bah super, je l'ai pas vu. Ah bah super, je l'ai pas vu non plus. Je suis aveugle. Achète-toi des yeux, Todd. Oui? Ok. Oh, ok. Non, tu meurs. Tu m'énerves. Toi, tu meurs aussi. Ok. Non, 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 calmez-vous. Il y a un problème, là. Ok. No problem. Ah non, mais quel con. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ben, va jouer, ça. Ah non, très mal. Ok, bien joué. Bah non. J'ai pas envie de mourir maintenant. Ok, salut. J'espère qu'il n'y a pas de porte. Y'en a qu'une, y'en a qu'une, y'en a qu'une. Non! Je dois tuer les deux boss! Bah c'est game over là. Bah oui, c'est game over, je suis coincé dans un coin, voilà, un coin salaud. Forcément. Forcé. Ah, y'avait un checkpoint, je suis content, c'est bon. Voilà. Easy. Allez, fais pas le beau, toi. Hein. Ouais. Ouais. Ok, bien joué. We get it. We get it. And this is the end of the level. Un coin de salle. Oui, c'était pas un gros mot. Ouais, c'était. Juste que l'eau, des fois, elle est sale. Ça va de soi. Pourquoi mettre des flèches si on peut directement l'arriver? C'est bizarre. C'est bizarre. C'est un bon niveau, The Animal, merci. Merci, merci. Alors, cool. Cool, cool, cool. Merci, Ali. Alors. Bon appétit à toi, The Animal. À tout à l'heure. À tout de suite. Substante-toi bien. Passons au niveau suivant, du coup. Niveau de Ali. Oui, c'est lui. Oui, c'est bien lui. Ali Ababa. Je devrais pas faire des chansons ou des jeux de mots sur vos pseudos. C'est pas sympa. J'aurais pas faire ça. 5Y0. DNT dans non T. PDF, ah. PDF, PDF. Normalement, du coup, il y a Harry qui arrive bientôt. Notre ami Harry Potpleur. Voilà, voilà, il est là. J'avais raison. C'est une invocation. C'est fou, ça. C'est fou. Bien le bonsoir, Harry. Comment vas-tu, cher ami? Niveau japonais. Ah. Ça a pas l'air d'être assouffrant, donc ça va. Tourne wall jump. Ok, donc c'est un tourne qui pousse et je vais wall jump dessus dans un petit... Dans un petit couloir, je pense. Je pense que ça va être ça. Ça, on connaît, ça. Ça, on connaît. Oula. Pas du tout ça. Ça va super et toi? Bah ça va bien, moi. Ça va, c'est bien. Je te remercie.
Ah, c'est marrant. Ah ouais, ça va, ça va, ça va, on connaît ça. C'est marrant, ça, ça, on aime bien ça. Ah ouais, d'accord. Du pognon. On aime le pognon aussi. Le pognon, c'est chouette. Hein. Why not? Pam, padam, padam, pum, pum. Il est plus dur celui-là. Ok. Bonne ambiance. Je n'ai pas peur de toi. Ah, le niveau est cool. Très plaisant à faire. Très très plaisant. Je te remercie Ali pour ce petit niveau. Pam padam pam 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 padam pam pam pam. J'arrive. Hein. Cool. Satisfaisant, ouais, comme tu dis, Harry. Très satisfaisant. Passons au niveau suivant, au niveau de Fertigle. Ah! Merde, j'ai pas fait one sur le niveau. Tac. Fertigle. Il y a le jeu Move or Die qui a l'air pas mal aussi. Move or Die, c'est... Ouais, c'est un jeu multi aussi à la con. C'est vrai qu'il a l'air sympa, ouais. Nas. Si tu entends, tu devrais peut-être regarder. TKM. C'est une sorte de Mario Party, enfin, c'est une sorte de party game, je crois. Où t'as plein de mini-jeux, mais dans tous les cas, faut que tu bouges, quoi. De mémoire, je crois que c'est ça. Sinon, tu meurs. D'où le nom du jeu. Ah, jusque-là, c'est logique, tout va bien. Nous sommes OK. Stage publié, est-ce qu'il y a un nouveau niveau de party? Ouh, oui, il y a du niveau, mais c'est du. C'est du Team Shell. 027. 035. Game Wars is a good boy. On va faire celui-ci alors. Parce que c'est un 56, ça a l'air d'être le plus simple. 600 try, on va calculer toutes les possibilités, que ce soit chiant ou pas. Ah ouais, celui-là c'est non. Cette seconde, ok, il y a moyen de se régaler. De toute façon, c'est un stream certifié sans énervement, sans rage aujourd'hui. Voilà. Il y a le label. Il y a le label quelque part. Vous le voyez pas, mais il est quelque part. En fait, il est invisible. Mais il y est. Tu sais que cette merde. Comment? Excusez-moi, je ne comprends pas. Tu es seul non français, tu viens d'où Ali? J'ai pas compris, non je comprends pas. De manière explicite, je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Je crois avoir compris, il faut que je fasse un shell jump très chelou. Mais à quel moment faut-il que je comprends pas? Comment je récupère cette shell? Non, je comprends vraiment pas, pardon. Je suis peut-être con, hein. C'est pas impossible. Mais j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. I need an explanation. Parce que cette shell, faut bien que je la prenne, je pense. Je suis complètement con ou... Est-ce que quelqu'un comprend, à part Fertig, qui a déjà fait le niveau du coup? Vu que c'est lui qui l'a fait. Hein? Comment?
Non, j'ai vraiment du mal à comprendre. Je veux bien l'indice, Vertigle, parce que là... Ne donnez pas de Kaizo 3 Art, s'il vous plaît, c'est ça. Les viewers préparent leur Kaizo Quadruple Shell Jump. Ouais, il y en a en plus, Mystère. Un Quadruple Shell Jump en plus, pas timé bizarrement, puisqu'il faut faire des pseudos... Non, je comprends pas. Je comprends pas comment je dois faire. Non, alors ça, la manette, par contre, commence pas. Je vais certifier le stream sans rage, bon, on va pas rager, quoi. Ce n'est pas possible. Tu vas pas me dire comment on doit faire Sigle au début? Parce que je comprends vraiment pas. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je comprends pas. Je comprends pas et je comprendrai jamais, je pense. Si on m'aiguille pas. Est-ce que Fertig veut bien m'aiguiller sur qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, j'ai pas l'impression qu'il ait envie. Ben ouais, mais... Bon, c'était un passage forcé, étant donné que je vais devoir y retourner. Bonne fin de journée à tous et à toutes, bonne fin de stream, bonne fin d'après-midi à toi, enfin, bon après-midi à toi, Harry. Et à demain, l'ami. Des bisous à toi, bon courage. Pour le tafu. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse, faut vraiment que je... Enfin, non, je comprends pas. J'ai dit que je m'énerverais pas. Je vais devoir quitter le niveau. Je vais devoir quitter parce que Fertig, tu n'es plus là, vraiment. Ou tu veux juste pas m'aider? Parce que je crois que personne comprend ce qu'il faut faire, non? Mis à part toi qui as fait le niveau. Je comprends pas, vraiment. Comment tu veux que je double jump sur si près du mur, déjà? Ça m'énerve. Je vais quitter le niveau parce que je suis juste dans l'incompréhension la plus totale. Allô, Fertigle? Ouais, 14h, Nas. 14h du Eve O. Prépare tout d'ailleurs, histoire que ce... Qu'on n'est pas trop à attendre. Bah Fertig, tu es là? Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce qu'il faut faire au début? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non? Tu n'as pas envie, Fertig? Avec la chaîne sur la main, faut sauter deux fois sur le bord de la chaîne Knock, quoi. Ah, c'est vrai que c'est de la merde, ça marche. Aïe, 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 ok. Du coup, je pense avoir compris. D'accord, d'accord. C'était très peu compréhensible pour moi. Des fois, ensuite, faut... D'accord. Ok.
Ok, ok, je vois. Ça, c'est dur par contre à rester vertical, bien comme il faut. Voilà. Voilà. Et là, faut que je jump après. C'est ça, hein. Fais des grands sauts, d'accord. Ok. Ok, d'accord. C'est pas simple, hein. La compréhension est pas du tout simple. Ça va être dur! Ça va être dur, ça va être dur! Parce qu'après, il faut que je shell jump! Mais le shell jump, bah, je peux le faire du côté gauche, je pense. Ça. Par contre, le shell jump sur le côté droit, c'est non. En fait, parce que le problème c'est que t'es beaucoup trop près du mur. Ah oui, celui-là, ce shell jump, faut y aller quoi. Faut être certain quoi. Quel enfer. Quel enfer, ce début est particulier. Putain, shell jump de merde. Bon dieu. Et ensuite je vais à droite, ça c'est bon, j'ai pigé, ouais. Cette shell jump, j'arrive pas à le faire, c'est dingue. J'aime pas cette shell, je crois. Cette shell, je l'aime pas, du coup je rate shell jump. Voilà, c'est mon excuse. C'est pas sympa les hitbox, hein. Vraiment. Ouais, je m'en doutais un peu. Je suis allé trop à gauche et en remettant à droite, et ben la shell a d'abord touché l'autre shell, du coup ça a fait paf. Et paf! Mais le problème c'est que voilà. Donc 2 ça suffit, ouais, ensuite on fait ça, ensuite il y a un double shell jump je crois. Putain. J'ai voulu prendre le plus de distance possible, mais bon, c'était pas simple. Salut Timiaka! Bien le bonsoir l'ami! Bien le bonsoir! Je suis pas sûr d'y arriver par contre au niveau. J'ai vraiment l'impression que ma manette elle a de l'input lag. Genre il pop comme ça tout à coup. Putain, je m'éloigne trop, c'est relou. C'est chiant, rester vraiment droit, c'est vraiment chiant. En fait, je crois que là, je me fais niquer parce qu'on saute vraiment pas haut quand on saute sur HL. Du coup, faut vraiment lâcher très tôt. Voilà, comme ça. Merde. Ok. Ok, c'est pas ça. Faut lâcher vachement tôt. Non, je veux pas bof son niveau pour l'instant. Enfin, c'est, de toute façon, je ferai peut-être pas son niveau. On verra. Quel con. Ça donne ça, on rebondit dessus, tac, on fait ça. La chaîne doit être là normalement, enfin le pilier. Oh c'est chiant. Parce que du coup faut le taper à l'avance, tac tac, là c'est le double shell jump et c'est fini je pense, ok. Ok donc ça c'est dur, et le double shell jump voilà, faut pas le rater. Ah! Tu parles du C au-dessus, hein? Ouais, je pense. Pourquoi ça bugrait d'ailleurs? C'est bizarre. Ah, parce que le timing est différent, du coup, elle est pas placée au bon endroit après. Oh là. Le petit coup à gauche était de trop. Le petit coup à gauche était de trop. L'âne trop trop. L'âne trop trop. Trop rigolo. Ok.
Du coup, ça va être un bordel pas possible. T'aurais dû mettre une box pour la fermer, je pense. Voilà, bien joué. Ou alors on est trop en avance et du coup elle disparaît parce qu'elle est trop loin. Peut-être aussi finalement. Parce que je sais pas si t'as mis juste une box. Je crois que t'as mis juste une box. Du coup on peut pas la rater normalement. Blablabla. Direct, faut que je lâche quasiment. Pourquoi je lâche trop tard à chaque fois? T'es con, Todd. Todd, ton cerveau. Ouais, c'était un petit peu drôle quand même. Non, c'est juste la vitesse est trop grande et donc elle tue la top sur le tapis. Ok. Trop tôt encore. Faudrait peut-être que j'y arrive en fait. Parce que ça va se voir, après on va se moquer de moi et tout. Moi j'ai pas envie qu'on se moque de moi. C'est dommage parce que tout était parfait là. Tout était agencé parfaitement, sauf ma vitesse. Putain, j'ai ralenti, je suis trop con. En fait, j'ai pas cru. C'était bon, hein. Là, je traçais et c'était bon. Faut juste que j'y croie. J'ai encore ralenti. J'y crois pas, en fait c'est ça là, c'est cette chaîne là me fait peur, j'ai peur de la rater. Du coup je marque un temps d'arrêt qu'il faut pas. Bien joué. Very nice try, Todd, you're the best. Oh. J'étais trop éloigné du mur, tu vois c'est l'échelle. Pourquoi ça m'énerve l'échelle jump? Parce qu'il y a trois variables. Et c'est un enfer. Trois variables dépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que si t'es trop loin, du coup, faut que tu jettes plus tard, du coup. C'est un enfer. Il y a un problème pour rester vertical. Voilà un petit problème. Ouais, c'est pas cool. T'aurais pu shell jump, enfoiré. Enfoiré! Tordu! Ok, je suis pas salé. J'aurais été salé, ce mousse maximum, si j'avais réussi le double shell jump. J'ai raté, ça va. Aucun sel. Aucun sel n'est présent. C'est une, voilà, c'est un try certifié sans sel. Ça va. Tout va bien. Presque. Voilà. Oh, c'était bon. J'ai pas cru. Après, c'est fini, ouais. Mais je pense qu'il y a encore un petit rebond après le double shell jump parce que c'est trop loin. Ça me paraît un peu loin sinon. Bien joué. Bien joué, t'as tout niqué. Tac, tac, tac. Y'a pas le truc, y'a pas le copain. Tac, tac. J'ai pas jeté en l'air. Oh là, tout raté. Tout raté. Jeter un saut top et nickel, ok. Bon, on va le finir le niveau. On va y arriver. Ça manque beaucoup de compréhension par contre pour le début. Hein. Vraiment beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas le fait que quand tu touches une chaîne collée à un mur sur le bord, tu peux rebondir dessus, c'est voilà. C'est compliqué à appréhender. Mis à part ça, tout se passe comme il faut. C'est assez jouissif à jouer d'ailleurs. D'accord. Par contre, voilà, le problème il est là, c'est que le setup, voilà, c'est à chier. Bah, enfin, ce setup-là, hein, pas le tien, parce que c'est un setup, voilà, que tout le monde fait. Mais moi, celui-là, je l'aime pas parce qu'il... En fait, la chaîne, quand tu la jettes en l'air... Si tu la jettes avec trop de vélocité, tu pourras pas la rattraper, elle sera trop collée contre le mur. C'est exactement ce qui vient de se passer, c'est un problème. Putain, faut que je réussisse mon shell jump aussi. Ça, ça me fait chier. Faut que j'aille direct à Shell, ok. Ça, j'ai jamais le timing sur ça, ça m'énerve.
Ouais, c'est mort ça. En fait, j'étais en retard, j'ai pas voulu lâcher la vitesse et. Le problème, c'est que la chaîne est partie un petit peu trop vite! Oh, trop tard. Faut que j'aide plutôt, ouais, mais j'ai. Ouais, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. On va travailler. Ah, mais c'est beaucoup trop tôt ça par contre. Faut pas décoller. D'ailleurs, la shell m'a niqué mon shell jump. Hein, parce qu'elle a touché la shell avant et du coup ça l'a reset en avant. Bah, son. Bah, elle a eu une frame d'un vul. Du coup, j'ai pas sauté dessus. Quelle tristesse. Ce double shell jump à la fin, il va me faire chier. J'aime pas ce setup à chaque fois. Ça, je savais le faire tout à l'heure, j'ai aussi 3-4 fois d'affilée, je rate 3-4 fois d'affilée aussi. C'est un enfer. Oh non, non. Alors ça par contre, je t'emmerde. Je t'emmerde, monsieur. Non, voilà. Ça c'est non. Ça, alors ça c'était non. Non, parce que ça allait être un shell jump, j'allais prendre la shell et j'allais tenter le deuxième shell jump. Ah non, c'est non. C'est embêtant. C'est fort embêtant, là. Parce que du coup, on l'a dans le fion. Par contre, attends, c'était à 1% le win rate. Mais mon cul, moi, j'y arrive pas à 1%, moi. Je suis naze. Je suis complètement naze, hein. Shell jump, moi, non. C'est non. Niette. Ça serait bien qu'on se dépêche à le terminer par contre. Ce serait judicieux. En fait, il y a un souci. Si j'aide trop tôt, j'ai pas le temps de faire mon shell jump. avant qu'elle me tombe dans les bras. Faut que j'aide un peu plus tard quand même du coup. Faut que j'aide plus tard, faut vraiment que je ralentisse ma vitesse. Bien joué. Bien joué. Saute plus haut et lance-la plus haut. Le problème c'est que je suis au max du saut, je crois. Enfin, j'ai l'impression d'être au max du saut. Trop fort, je crois. Pas du tout. C'était bon ça. Ça c'était bon. J'ai juste fait mon shell jump. J'étais bon parce que j'ai mis un petit coup à gauche pour ralentir ma vitesse. Oh, ça a fait lui rater. Ta mère! Ta mère! Ta mère! Ta mère! Ah. Pardon. Salut Aaron Wish, bien le bonsoir l'ami. Ben au revoir, à tout à l'heure, bon appétit à toi du coup. A toute l'ami. Oh je suis salé. C'était bon. Mon premier shell jump était à chier par contre, c'est pour ça que j'avais pas assez de hauteur après. Le premier était nul. Nul sur 20 le premier. Quelle tristesse, c'était bon, tout est. Everything was okay. Yo, tu shell jump toi maintenant? Ben je shell jump, ça m'arrive de temps en temps. Même si je suis naze. Je suis totalement naze. Comment vas-tu, Célérion? Bien le bonsoir, l'ami. GG pour ton sub. Zionuman, t'as fait un don. Un don de sub. Mais je sais pas pourquoi, là, j'arrive plus. Quel sub? Celui que Célérion t'a offert. Pas Célérion, Zionuman, pardon. Pourquoi j'arrive plus? C'est fou, hein. Les shell jumps, c'est complètement fou. C'est oui ou non. C'est logique, mais.
Il a été remercié comme il se devait, ne t'en fais pas. Trop tôt, Patrick, trop tôt. Ben, t'énerve pas. T'énerve pas, tout va bien se passer. Respire, souffle. Trop tard. Je faisais de la cuisine, j'ai pas vu. C'est comme Cooking Mama en IRL. Mais en IRL. Bah. Faire la cuisine. Oh. What the fuck? Ça l'a touché vraiment? Ah, dans 5 secondes, Vertigle. Fais gaffe, on va compter, hein. C'est un shell jump. C'est un shell jump, voilà. Shell jump réussi. Ah, c'était pas un shell jump ça par contre. Par contre ça me fait chier, j'ai envie de finir le niveau parce que on sait tout faire. Maintenant il faut réussir tout le temps à le faire. Voilà. La manette. La manette, des fois, t'as vraiment envie de la prendre, de la plier en deux, en trois, en quatre. De la jeter contre un mur. Jeter le mur contre le mur. Reuse Only Man. Quand c'est qu'elle essaie de parler. C'est Taz, il prend possession de mon corps. Je suis possédé par le démon, des fois. Par le diable. En fait, j'ai replacé mon pouce, ça m'a perturbé. Ça a perturbé ma mémoire musculaire. Ma mémoire musculaire, j'arrive pas à parler! C'est un problème! Ok, c'est nouveau. Trop de puissance tue la puissance, visiblement. D'accord, nique-toi bien le jeu. Pain, pain. Ah, oh, ça me fait chier, ça me fait vraiment chier parce que j'ai jeté au max de mon saut, vraiment. T'as bien vu, hein. Ah, trop tard. Et là, j'avais pas le temps, en fait. Sauf si je fais un premier shell jump un peu bancal. Enfin, si j'avais fait. Ah, oh, j'ai ralenti. J'ai ralenti à cause du travail d'avant où j'ai dépassé. J'ai eu peur ce coup-ci et nope. Non. Une petite sucrerie de la part de Célarion. Ah. Bah beaucoup trop tôt. Ça, je vais pas y arriver décidément parce que bon, voilà. Je suis capable d'y arriver bien et puis de faire de la merde après. C'est vraiment un problème dans ma vie. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Comme tout à l'heure, c'était beaucoup trop tôt. Tu lâches la chaîne sans année trop tôt. C'était chaud. Ni ta mère, pardon. Quelle grossièreté. T'étais pas obligé de mettre un fucking monster ici, hein. Ah. Nintendo. Nintendo, Nintendo. Salut Seignan. Bien le bonsoir ami, comment vas-tu? Bah, il suffisait de mettre autre chose qu'un monster. Ah. Ça va bien, c'est bien, ça va bien. Je souffre un peu sur le niveau, mais ça va. Mais c'est trop tôt, j'en ai marre. Je suis nul. J'arrive, j'entends une grossièreté. Ah. Bien le bonsoir, mes chouiches, comment vas-tu, l'ami? Ah.
Je n'y arrive pas. I can't. Trop tard, trop tôt, trop devant, trop jamais, trop never, trop nul, trop à chier, trop bon. Trop vide. D'ailleurs les gens, j'ai une clé Steam en trop venant d'un Humble Bundle. Zem's Fighting Herd, si quelqu'un aime Vest Fighting et des animaux. Ça peut intéresser certains, je pense, en vrai. Enfin, c'est con de taper des animaux, mais... Ah voilà, bien joué ça. Là, comme ça, je peux clear vide. Ouais, je veux essayer, ouais. Mais pourquoi tu clear vide pas toi-même? Ah, parce que tu... Oui, t'as pas de record. Je suis un peu bête. T'as pas de quoi record. Ça a du sens. Quel enfer. Quel enfer. Ok, si t'as ton logo first, il y est. C'est Lian. Il y est, hein. Tu le vois pas, ça doit être un bug, mais il y est. Trop tôt, trop tard, bon. Mais vu que t'es dessus, ouais, je vais essayer de le finir quand même. Là, je suis au bout, quoi. Faut juste que j'arrête de chier ce shell jump là, à la fin. Oh quel con. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu récupérer un shell, du coup j'ai jamais calibré. Et sans calibrer après il fallait que je recalibre par un gauche droite et j'avais pas le temps pour le shell jump. Je n'avais pas le temps. Trop près du mur encore. Quel enfer. Mais quel gueux. C'est la pire mort possible. Qui meurt ici? Personne à part moi. Incroyable. Incroyable cette mort. Ok, c'est bon. Du voice fighting avec des animaux, avant c'était des persos de My Little Pony, mais le dev ont reçu une visite des avocats de ceux qui ont la licence. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quel enfer. Ok. Ça aurait pu être un chat-jum si j'avais été collé. Comment on peut faire 3 bons tries bien d'affilée et puis ça après? C'est ça qui m'énerve avec les shell jump. Ce n'est pas une science sûre. Tu peux pas dire, oh ben j'y arriverai la prochaine fois, c'est sûr. Non. Et je meurs au pire endroit possible. Il y a vraiment des gens qui meurent ici en plus. Je meurs au pire endroit possible. Hein. C'est dingue. C'est vrai qu'un sortira de l'Early Access, un gamer veut faire un mode dans son coin pour mettre les poneys. Pourquoi pas? Souvent... Après, le modeur va avoir des problèmes, peut-être. Ça commence à me prendre la tête, par contre, là. Vous gardez le vote calme, monsieur? Bah oui, ça va. Comme d'hab, le message mineur arrive. Faut peut-être que tu cliques sur... comment dire? Le petit truc qui est en bas du chat, normalement. Afficher le message. C'est peut-être ça. Oh, mais putain, j'y arrive plus. Pourquoi je n'y arrive plus? Pourquoi I can't do that anymore? Zen. Faut que je termine, ça commence à être beaucoup trop loin. Je vais bien. Nous allons bien.
Nous allons très très bien. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Non, non, là je... J'ai un œil qui me chatouille. Alors, vous avez vu ça là, hein? Vous avez vu à quel point ce jeu est cassé quand même, hein? J'ai rebondi sur la chaîne à une hauteur où je ne peux pas rebondir dessus normalement. Tellement ce jeu est bien fait. Eh mon nez! T'arrêtes de me gratter. Quand même. Vous savez ce qui vient de se passer? J'étais un poil de zob ou un poil de duvet de moustache trop près du mur. Voilà à quoi j'étais de la fin du niveau. Voilà, j'étais à ça de la fin du niveau, tu vois. Le petit duvet de moustache de fin de niveau. Le fameux. Mais non! La merde, là! Là, je deviens fou. Ah, oh, ça l'a refait! Incroyable! J'adore ce jeu. Vraiment, j'adore ce jeu. Quelle est la loi pour que ça fasse ça en vrai? Il y en a pas? Le jeu est bugué, hein. Pourquoi ça marche plus? Parce que je lâche pas le saut, je crois. C'est pour ça que ça marche plus. Avant, je lâchais le saut, je crois. J'en sais rien. Putain. J'ai pas encore vu l'image, ouais. Attends, j'aurai l'image. Je regarde l'image. Faut que la webcam, je devienne fou. Vous deviennent fou. Ok. Du coup, je comprends, c'est Lyon. Shell jump. Le retour de toi suicidaire un peu, ouais, mais là ça devient chiant là. Ok. Mais la manette, je t'emmerde. Putain. Et voilà, après voilà, 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 voilà. À cause de la manette, on fait de la merde après. Parce qu'on est énervé, voilà. Le sel est là. Les frites ne sont pas là, on peut pas dealer le sel. Ouais, mais alors là, c'est un peu compliqué de ce côté-là, par contre, Todd. Là, enfin, faut pas déconner, tu vois. Tu veux faire Superman, pourquoi tu voles pas, d'ailleurs, Todd? C'est tellement plus simple. Chaud. Oh, c'était mort, ça. J'essaie de faire une technique un peu, voilà, bizarre, mais c'est très compliqué. Merci pour ton sub, Célian, pour ton resub de 5e mois. Bon, et le message, bon bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, la YTB16. Ta chaîne, c'est non, je rigole. Merci pour ton sub. Pour ton resub de 5e mois. Merci à toi l'ami, ça nous fait 11 points sub. Et ça c'est plutôt incroyable parce qu'on se rapproche tout doucement des 15. Ce qui veut dire qu'on a bientôt une nouvelle émote. Et ça c'est plaisant. C'est plutôt le plaisir. Oui j'ai compris, c'est bien. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète l'ami. Ah, à 11 points sub, c'est fou. C'est fou, c'est fou. 4 subs et on a l'émote. 4 subs et on finit le niveau. Incroyable. Bien le bonsoir à toi, Fuxmoo. Comment vas-tu, l'ami? C'était chaud. En fait, là, il y a un souci. J'arrive plus à faire comme il faut. Cet endroit-là, je stresse un peu à chaque fois maintenant. C'est fou. Non. Je vais pas rester 2 heures sur le niveau alors que c'est un simple 1% de réussite. Je suis naze ou quoi? Bah, c'est pas censé se passer comme ça, non? Le jeu, il...
En fait, c'est un bug, ça. Ça se passe jamais de la même façon. Bien le bonsoir, Pierre. Comment vas-tu, l'ami? Como estás, en tu casa? Si. Ah putain de merde, mais ouais, là y'a un souci. Ah, c'est chiant. Ce setup est relou. Je déteste ce setup. Eh oui, trop tard. 1,23 c'était d'ailleurs. Et il est pas dur pourtant, il est relativement simple. Bon, le début est incompréhensible. Oh putain, j'ai pas. J'ai dit que je m'énerverais pas. Et mon nez, si t'arrêtes pas de me chatouiller, je vais te casser en deux. Si je fais ça, j'aurais plus de nez, mais. Bon. Ah, trop tard. Oh, mais ça commence à me casser la tête. Pourquoi je n'y arrive pas? Putain, c'est chiant. Non, c'est vraiment chiant. Pourquoi je n'y arrive pas? Et voilà, voilà pourquoi, si je jette trop tôt, voilà exactement ce qui se passe en fait. Ce qu'il se passe, c'est que je l'ai dans le cul. Et ça fait mal. Putain, trop tôt, c'était bon ça. À la fin de ce live, Todd aura mis un fin séjour, t'auras plus de nez, t'auras pas aussi de niveau. Pff, non, je pense pas. Quand même, faut pas déconner. Il faut que je finisse ce niveau au plus vite parce que j'arrête à 2h parce qu'après on fait du Evo avec notre Aminas. Mais le problème, faudrait que je fasse plus de 2 niveaux, tu vois, dans la journée. Là, je parle et je fais n'importe quoi par contre. Parce que 2 niveaux, c'est ridicule! C'est risible, on se moque de moi après! J'ai pas envie qu'on se moque de moi. On se moque toujours de Todd parce qu'il est bleu. Ces annonces se moquent du streamer, ouvertement. Et bien grâce à toi, grâce à ton petit moquage ou moquerie du streamer, et bien nous avons réussi à finir le niveau. conclusion de la chose, moquez-vous du streamer. Merde. C'est faux, ne vous moquez pas du streamer, c'est pas gentil. C'est méchant. C'est méchant. Et bien c'est pas trop tôt. Voilà, Fertigle à ta claire vidéo. Tu l'as. Tu l'as, Fertigle. On l'a enfin fait. Bon, passons au niveau suivant. J'ai mis un... Oui, j'ai mis une gemme, c'est bon. Pouf. Slash me, oui. Alors, one. Niveau de mixouille ensuite. Bon, souvent c'est pour faire des emotes, hein, le slash me, c'est lion. C'est pas pour parler, en théorie. Allez, petite idée apparaît sur l'écran. Alors, YPH. XJ4.
X9G. Ghost Rider, the house is haunted. Ok. Ok. Bonjour. Je pourrais faire une rediff. Ben, tu vas dans rediff, tu l'as? Tu vas sur la rediff et normalement tu peux le faire tout seul. Quoi? Moi je veux ça, moi. Rends-moi ça. La main. Yeah. Ah d'accord. Ok. Marrant ce petit niveau, mais ça a pas l'air simple, dis donc. J'adore cette musique. Sinon, si quelqu'un peut faire le clip, oui, du niveau fini juste avant, ça pourrait être sympa. Et oui, de toute façon, il y aura la rediff sur la chaîne YouTube. Mais bon, il pourra pas clipper sur la chaîne YouTube. Ce qui veut juste le clear du level. Ah, qu'est-ce que c'est? Ouah! Mais mon gars, tu dégages! J'aurais dû monter dessus. Non! Oh, bah, je suis pas mort! Incroyable! Non, mais dégage! Oui. Quoi? Non? Mais casse-toi, mon gars! Enfant de Satan! Non. Ouais, oui, bien joué ça. Voilà, c'est ça qu'on veut! T'es puni, mon gars! Tu restes là-bas chez ta mère! Voilà. On le niquait ça. Oh ouais, ça je veux ça. Donne la main. Ok. Oh, le niveau est très très cool, hein. Et là, c'est un boss, hein. Avant la fin du niveau, bien sûr. Bien entendu. Oh non, ça recommence. Oh, ça se termine jamais. Quoi? Comment? Non, c'est chiant. Non, c'est beaucoup trop chiant, là. Arrête, j'ai la frayeur. Arrêtez. Ah, ok. Ouais, reste là. What? Ok, reste coincé. T'es puni! Tu bouges pas, mon gars! T'es pas puni. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Et quoi? Je vois rien. Je ne sais pas où je suis. Bonjour? Oui? Non, pas mourir? Ok. Oh! J'ai pas envie de mourir maintenant! Ouais. Arrête! Mais il y avait des flèches qui m'ont dit que c'était la fin! Ah mais c'est quoi ce nez là? Arrête! Ah là! Doit aller en cours, il a envie de se suicider comme Todd Bleu. Bah fais pas ça! Non, fais pas ça! Vraiment, fais pas ça! Bon après-midi à toi, Célian! Bon cours à toi, des bisous! Passe une bonne après-midi, à demain, l'ami! Ah oui, l'ascenseur émotionnel, là, j'ai eu chaud au slip de ouf! Hein. J'ai eu une chatte énorme, ouais! Parce que là, je crois que je. S'il y avait genre une seconde de plus, je mourrais. Je mourrais! En vrai, je pense qu'il y a moyen de bloquer ce gros connard là. Mais j'ai pas réussi à le bloquer, du coup c'était très compliqué. Je mets un cool parce que je suis pas mort. Non, en vrai il est très cool, mais ça peut être très dur. Hein. Mais arrête de me gratter le nez! Passons au niveau suivant. Je suis pas mal du World Record, ouais. Après, on peut difficilement aller plus vite. Dans le sens où t'es limité par le scrolling. Incroyable. Il t'amende des mots. Timiyaka, est-ce que Timiyaka est encore parmi nous? On peut pas prendre le contrôle de la place des bouts. Je sais pas. Honnêtement, je pense qu'on doit pouvoir, si.
Ou alors il y a un bout planqué dedans, je sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Timiyaka n'est plus parmi nous. Niveau de Zianuman, je crois qu'il est parti manger. Non, il est là, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Niveau de Zianuman, du coup, c'est parti. Quelle heure il est? 13h11. Alors, HN5. T7J. 73G. Ou alors, prends le ballon maléfique directement. Je pense que tu pouvais, ouais. Je sais pas. J'ai pas voulu essayer, mais j'aurais peut-être dû essayer, ouais. Vous savez ce que ça annonce, un nez qui chatouille comme ça? Ça annonce une petite crise d'éternuement d'ici peu. Meteor Mayhem. Rush to the space station and watch out for falling meteors. Ok. Ah, les meteors, c'est des spikes. Des spike balls. Excellent. Excellent. Oh, ça tue les mobs, c'est trop bien. On reprend la pièce de 10, easy. On est nul. Dangereux. Plus dangereux, ça va. Champignon. Voilà, c'est un bon niveau, donc c'est un champignon. Une fleur, c'est généreux. J'ai failli mourir à l'instant. Ok. Petit cadeau de notre ami Zianuman, qu'est-ce que c'est l'image? Regardons vite fait. C'est moi. Ah, ce petit montage incroyable. Perfect! Ça, ça finit sur Discord, ça aussi. Faut garder votre calme, vous devenez fou. Nice! Moi, je vote l'option du bas, par contre. Youhou! Bah, ok, on trace, on a pas le temps. Pff. Le niveau est facile, on se dépêche. On va mourir. C'est marrant, ça. Très stylé, ça. Ça, c'est un peu moins stylé. J'aurais dû garder mon calme. J'aurais dû garder mon calme, ce coup-ci. Ah non. Quel cadeau nul. Ah, super, Ironwish. Ironwish, as-tu bien mangé? Pressé comme un fou, je sais pas pourquoi. Ah, c'était pas la bonne idée, faut que j'arrive dessus. Mais vite fait. Putain. Mais... Pourquoi je suis si pressé? Ah, c'est la musique, je crois, qui me stresse. Ouais, c'est la musique, elle me stresse. Ah oui, non mais ça, je... Alors ça, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je pense que personne s'y attendait. Ça pourrait être un speedrun en vrai. Il a marre de mourir. Accéléré. Je me suis fait niquer. J'ai voulu changer. Mais pourquoi je meurs alors que c'est pas dur sinon? Genre c'est chiant. Non? Ça me paraît un peu chiant. Bang bang. On va changer, on va passer par en bas. Ça a l'air quand même beaucoup plus simple. Beaucoup moins d'emmerde. Hein. Alors, beaucoup moins d'emmerde. Hein. Ah ouais!
C'est genre maxi beaucoup moins d'emmerde. Hein. Ah oui. C'est maxi moins d'emmerde hein, par en bas. Bon, niveau est cool. Hein. En plus, il y a plein de chemins. Il y a des chemins plus durs, plus rapides, sûrement. C'est très bien. Votre robot is back. Je suis un robot. Bien le bonjour. Je vous souhaite bien le bonsoir, Zion et Human. Passons au niveau suivant. Niveau de Célérion. Niveau de Célérion. Normalement, il y a un petit peu de souffrance en vrai, parce que Célérion ne fait jamais des niveaux faciles. Hein. Il nous dit toujours c'est la souffrance ici. Hein. Ça me rend fou. Arrête de me gratter. C'est même le dessus du nez qui me gratte, c'est même pas l'intérieur. C'est fou. Et quand ça me fait ça, après j'éternue. Voilà. Alors, 7FV. 4CF. N3G. C'est un H. Ok. Tu fais des niveaux faciles? Je me rappelle plus, c'est là, honnêtement. Maintenant, il a un accent marseillais douteux. J'utilise simplement des mécaniques obscures. Ah. C'est pas mal, les mécaniques obscures, des trucs sympathiques. Un niveau de 10 secondes. Que Rakai a fini. Pour bien commencer la journée. Bah commençons la journée alors. Salut Besmax, bien le bonsoir l'ami. Comment vas-tu? J'ai envie d'éternuer, ça y est. Faut pas que je quitte le sol. Ne quittons pas le sol. Putain, mais tu m'as foutu du shell jump, quoi. Merde. Tu m'as foutu du fucking shell jump. Ça y est, il a vu que je fais du shell jump, ça l'a dit « Ah, il fait du shell jump, vite !» Je t'envoie le mien. Bon, faut que je chope les timings. Normalement, les épées sont pas mal. Hey, mais c'était ça qu'il fallait faire ou j'ai cheese un peu? J'ai l'impression d'avoir cheese the game, non? Ok. Pourquoi on doit envoyer à gauche là? Ah d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Comprendez. Pas du tout ça par contre. Mais je crois que ces shell jumps sur ce Mario ils sont un peu différents. Pourquoi je suis trop loin? Quelle est cette connerie aussi? Mais je suis trop con, il y en a deux, pourquoi je veux tricher tout le temps? Ce qui est bien avec Twitch Prime c'est que j'ai toujours des cadeaux pour des jeux auxquels je ne joue pas. Oui, c'est pareil. Alors mon cerveau s'il te plaît. Tu as un squelette juste avant, tu fais l'effort sauter dessus, t'es pas con. Si, t'es con. Voilà. Par contre, on peut cheese, je crois, en vrai. Mais les shell jumps sont chelous ici. Sur ce Mario, c'est un peu chelou. Ok. Ah ouais, c'est vraiment bizarre, hein, parce que les chaînes elles font pas comme ça, elles partent en cloche un peu. C'est vraiment très bizarre. Non. Ça me saoule de gratter. Arrête de me gratter. N'hésitez pas à balancer les clips sur Discord en même temps, ça fait une petite sauvegarde, c'est pas mal. Rakai a mis ce level en easy, il était le premier à jouer. Ouais, bah j'en doute pas, mais Rakai aussi, il fait des niveaux un petit peu particuliers, quoi. Backshell, c'est assez facile. Et là, c'est le dernier shell jump. Mais là, en vrai, il faut vraiment que j'appréhende ces vrais shell jump comme ils sont. Parce que je les fais mal. Sur ce Mario, ils sont un peu différents, les shell jump. Faut être plus près du mur, j'ai l'impression.
putain, et ça me casse les couilles en vrai. Mais il jette en l'air! Imbécile! Pourquoi je suis sur ta? Non mais j'arrive pas à les faire ceux-là. Dans ce Mario, j'arrive pas à faire les jump. Ça m'énerve. Si j'avais pas Snake qui me grattait aussi, ça me saoulerait moins. J'ai pas charcuté le nez. Re Timiyaka. Mais c'est quand qu'il faut lâcher? Je n'arrive pas à comprendre quand est-ce qu'il faut lâcher. Là ça m'énerve par contre parce que ça marche jamais. Ouais, si je me coupe le nez c'est problématique, oui. Pourquoi ça me gratte comme ça? J'ai une maladie du nez, ça y est. Je suis trop loin là, je suis beaucoup trop loin aussi. Voilà ce qui se passe là. Ah, je pense qu'il y a un challenge. Je pense que c'est ça aussi, ouais. Je suis quasiment sûr que c'est ça même. Ah, c'était réussi. Ah oui, forcément. Ouais, c'est trop loin ça. Avec une paille de fer. Ouais, mais là, et mon nez, il va avoir des problèmes après. Oh, ça me fait chier. Pisse quoi. Mais pourquoi j'arrive pas à les faire alors? C'est quoi, c'est quoi cette connerie? Il y a un problème là. Trop loin, trop loin, trop loin. Y'a quand même un souci parce que je sais les faire visiblement. En fait, je suis trop loin à chaque fois, je crois que c'est ça. Non, c'est pas un truc inconscient parce qu'il y a vraiment un truc qui me chatouille. Je suis trop loin, c'est fou. Et pourquoi t'as déménageur en fait? Parce qu'après, on joue à Yves-O et on va déménager. On va déménager. D'ailleurs, il y a deux slots, hein, si vous voulez. Je crois qu'on peut jouer à 4. Je vais casser un truc là. T'as des puces à ton nez. J'ai des puces dans mon nez. Nope. Je vais casser un truc. Ça commence à me casser le fion. Je sais les faire, mais je n'arrive pas à les faire. Enfin, y a pas... ça a pas de sens. Bah, quoi, ça n'a pas de sens hein, de savoir les faire et ne pas réussir à les faire. Je vais vraiment m'énerver par contre. Je l'ai pas réussi une seule fois. Hein. Pas une seule putain de fois. En fait, je suis trop loin, je crois que c'est ça, je suis beaucoup trop loin. Du coup, ça me stresse et je rate le truc. Oui, alors par contre, il faut peut-être tourner. Ah. Allez, on va recommencer. Voilà, non mais je vous le dis, il y a un souci dans ma tête. Il y a vraiment un problème, hein. Je crois que mon souci est que je suis trop véloce à chaque fois, je vais trop en avant. Du coup ça me perturbe. Ah bah là super. Ouais.
crois que c'est le plus proche que j'ai fait en shell jump. Quelle heure il est? 26, on est bon encore. Ah, il est simple pourtant. Il est simple parce que même si je le rate, je peux toujours tomber dessus après quoi. Mais je m'attendais à le réussir du coup, ouais. Voilà. Ok, c'est vraiment pas dur, mais je pue la merde. Hein. Non, mais c'est pas dur en fait, hein. Enfin. C'était évident, c'était sûr que je ratais le dernier. C'était sûr. Je pouvais pas m'échapper comme ça, c'était pas possible. Alors là, c'est très bizarre parce que je suis sorti du mur très bizarrement. C'est fou, hein? Vous avez vu? À quel point il a suffi que j'y arrive une fois, après j'y arrivais, et puis c'est venu tout seul. C'est un bon niveau, très sympathique à faire. Bon, ça perturbe un peu les shell jump comme ça. Le premier, il faut le caler comme il faut. Parce que si t'es trop loin, voilà, si tu jettes mal la première shell, t'es trop loin des fois et t'es niqué quoi. C'était cool. Passons au niveau suivant. Est-ce que Timiyaka est encore là? Est-ce qu'il a pris le temps d'attendre ce coup-ci? Il est encore là. Timiyaka, are you here? Il parle pas beaucoup d'ailleurs, c'est très surprenant. Il est sur le chat, je le vois, mais est-ce qu'il va répondre? Il a pas vu ses lunettes. T'as vu ça? Je l'ai même un petit peu augmenté, je crois. Et il est un petit peu timide, Yaka. Ok, il est là. Hello! Hello to you, my friend! BXT. WF2. It's your turn, my friend! Your turn! 0GF. On off switch basique. En fait, c'est un polonais qui me chatouille, je crois. Alors, c'est parti. C'est parti. Je crois que c'est. On va jouer à Mario, c'est bien. Rendez-vous compte, on joue à Mario. Je suis pas vraiment convaincu de ce qui va se passer. Ok. La maladie de Toad. Ne prenons pas le risque. Ok. Waouh, so much skill. You see that? J'aurais dû garder la shell. Checkpoint. Ah, ça c'est un problème. Oh, fuck. Je pense qu'on peut tuer dans cette jump, ouais. Mais j'avais la fleur, du coup c'était quasiment impossible de chasse jump comme il faut avec cette merde. Et je retombe! Crétin! Putain, je tombe sur ce Mario alors que c'est le Mario où on peut le plus contrôler dans les airs, quoi. Vraiment une maladie, ce Toad, hein. Oula, d'accord. Ah oui. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était safe.
La maladie, peut-être. Peut-être la maladie. On a le temps de passer, je crois, à chaque fois. Ouais, une fois d'essayer de se suicider, c'est un peu ça, ouais. Oh, on peut cheese. Si on peut cheese. D'accord. Trop nul. On s'en fout de cheese, ça sert à rien de toute façon. Mais pourquoi je fais n'importe quoi? Pourquoi suis-je comme ça? Alors qu'il n'y a rien de compliqué, pourquoi je fais du caca constamment? Pam pam pam. Yes. Bah c'est un bon niveau en vrai, c'est sympathique. C'est un bon niveau. Nice level, Team Yaka. Nice level. Bah là là, je suis naze. Passons au niveau suivant, niveau de pierre. Qui signe toujours son niveau à la fin, avec un 64. BXT, je crois que j'ai eu 30 voir le début. Ok, bah pas du tout. 372 K1S 8 KG. Pam padam padam padam. Le manoir de Kamek Wii U. Mario va devoir entrer dans le manoir de Kamek. Eh bien ok. Un conseil, je n'ai pas pu mettre de checkpoint à cause de l'objectif, alors si tu meurs très loin ou vers la fin, tu peux le zapper, mon level, c'est pas grave. Ah! Genre niveau qui fait plaisir quand on meurt quoi. On ne mourra pas. J'ai fait mourir. On peut cheese, j'ai tout vu. Ah ouais, je vois tout. Qu'est-ce que je fais? T'es bourré? Ok, aucun intérêt. Tintin, pam, padam, pam. Pourquoi pas? T'aurais très bien pu mettre la porte à l'intérieur. Ok. C'est quoi ça? Je suis pas convaincu. Ah! C'est ça qui nous chatouillait depuis tout à l'heure. Salut Bastien, comment vas-tu l'ami? Bien le bonsoir à toi. 35. Toujours 2x2, hein. Toujours Gérard, mes éternuements.
Enfin, je me mouche bientôt, je pense, en plus. Quel enfer. Eh bien, eh bien. Impressionnant. C'est vraiment la passion. Petite feinte. J'adore. Ah, faut que je suive. Sauf que... C'est infernal. Vie de la merde. Ah, quel horrible. Ils font des feintes, les éternuements. Bien le bonsoir, Pota. Merci pour ce courage. Ouais. Ah, ça fait du bien. Quand il sort, ça fait du bien. Avez-vous déjà vu un streamer éternuer 3 ans et demi? Ben voilà. Maintenant, oui. Ok. Ok. Attends, j'en ai marre. Il a sniffé trop de poivre, je pense. Non, mais tu sais, c'est le chatouillement que j'ai eu. En fait, c'est proportionnel au chatouillement que j'ai, tu vois, ça a éternu pendant 8 ans et demi après. D'accord, j'ai compris. J'ai pas du tout compris en fait. Faut que je fasse monter. Ah ouais, carrément. Oh, quel enfer. Bien joué ça. Hein. Bonne mécanique ça. Hein. Non. Connard! Je l'avais oublié ce con. Oh, j'ai pas envie de mourir maintenant. Oh, ça craint. Oh bordel de merde. C'était chaud. Ah c'est passé. C'est seulement c'est du poivre. Les chocobons ou les maltesers? Je préfère avoir les deux. Parce que j'adore les deux.
Ah, fuck. Très bien. Pouette, 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 pouette. Ok. Moi je vais faire les deux aussi, Maltesar et Chocomon. Bah c'est ça, on prend les deux hein. Pas le choix. Champignon peut-être un jour. Nice. Quel enfer. Ça j'aime bien ça. Bonne tricheur gourmand. Oh le talent de l'homme. Incroyable. Quoi? Hein? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre moi? Mais je peux rien faire! Oh le temps! Comment ça monte? Ah ouais mais non hein. Ah non c'est chiant là. Quoi? Mais reviens là! Pourquoi il a fait ça? Je vais péter un plomb. Ça y est, j'ai la pression qui monte. Non, 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 oui. Eh bien, bonjour. Ok. Ouais, ouais, ouais. Non, par contre, tu vas m'énerver, là. Fais un fucking effort. Ah oui, d'accord. Voilà. Allez. Non. Non, non. Non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça à moi. Tu sais pas qui je suis, je vais m'énerver. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Quoi? Ok. Ouais, 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 super, génial. Bonne ambiance. Ok, ok. Ouais, ouais. Et donc? Et alors? Non, là, je vais casser un truc. Voilà! Je suis trop con. Parce qu'il y a un chemin que j'ai pas fait à droite. Le niveau était sûrement fini. Je suis complètement con. Mais quel idiot! Non, ouais, j'ai oublié le tuyau. J'ai pas envie de recommencer, c'est long. C'est long de ouf, ça faisait 5 minutes quand même. Ah! J'ai pas envie de recommencer. Pierre, tu veux pas m'en vouloir, hein? Pierre, ne m'en veux pas! C'est à cause d'Atchoum! Je n'y suis pour rien! Désolé! Qu'est-ce qu'on a dans la liste? Pouce rouge et abos, direct, bim! On a un petit niveau de Zion Iman après. Ouais, on va le refaire, on va le refaire, on va le refaire. Faut pas déconner. On ne déconne pas comme ça, avec les niveaux des gens qui sont bons, ou on fait n'importe quoi. Parce que là, on a fait n'importe quoi. On va pas se le cacher. Il est même pas là. Mais j'ai pas envie de retaper l'idée par contre, c'est chiant. Déception. 8KG. Mais pourquoi ça marque pas les lettres comme il faut quand je fais un S? Parce que des fois elle prend pas les inputs cette manette. Va savoir pourquoi. On y retourne. On le finit fast. Ensuite on va close la file. Et on va faire le niveau de notre ami Zion Human. Et ensuite on partira sur Eve Ho. Eve Ho. Faut la clé au-dessus.
Champignon? Pas de champignon. Tais-toi, toi. Salut Mortuary, bien le bonsoir l'ami, comment vas-tu? Oui, si je reprends la porte, ça sert à rien parce que je viens de la prendre, ça n'a pas de sens! Tu l'as écouté? Bim bam boum. Bim bam boum. Non. Et ça fait bim bam boum. J'ai pas trop envie, je t'avouerai. Putain, j'ai pas le temps. Ça va, je me prépare pour le boulot? Ah, ça marche. Ça marche, ça marche. Ben, ravi que tu te prépares en me regardant jouer. Moi, ça me va. Allez, casse tout, toi. C'est un plaisir fou quand le nez te chatouille plus. C'est vraiment beaucoup moins énervant. La vie va beaucoup mieux. Oh, j'ai eu le temps. Pam 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 pam. Tcha. Je me rappelle plus. Si je me rappelle ça. C'est pas grave parce que. Saviez-vous qu'il y a. Un petit champignon ici là? J'étais chaud. Venez à vous, vous m'avez une quête alors, je me rappelle de vous. Oh, first trip. En fait, tu l'as trop bien passé ça là. On la tape sans le faire exprès à chaque fois. C'est perfect. It is so perfect. Bonne ambiance. Salut! Ah non, ça tu triches par contre. Je te préviens, tu triches un peu. Ok. Ah! C'est pour la musique. Comme tout à l'heure. Voilà, faut que je tape quand il est au bord. Ici, là. Yes. Ok. Tu ne me niqueras pas Mara ce coup-ci. Va-t'en. Merci pour les oreilles. La sourdité est présente. Hop là. On fait le malin parce qu'on a un champignon. C'était très serré. Ok, je me rappelle. Salut. Donc là, c'est un peu chiant. Faut l'inviter ici. Voilà. Et on passe sereinement. Sereinement, vite, c'est vidi quand même. Dégage. On y va. On nique sa race à ça là-bas. Ok. Hop là, on a pu se faire niquer. On attend. Ok. Pouloupoupou. Ok. Tadam, balam, pam, pam, pam. Voilà. J'aurais dû prendre la chaîne. Parce qu'on aurait peut-être eu besoin pour le Kamek, pour que ce soit plus simple. Mais c'est pas encore le Kamek, donc j'ai bien fait en fait. Ok. Ça c'est bien joué, c'est marrant ça. Ok, grimpons sur le mur. Tape pas très fort contre le mur s'il te plaît, respecte-toi un petit peu. Voilà, bien joué ça. Maintenant t'y vas, tu fonces. Voilà. Tu vas tout droit là-bas?
Oui, bonjour. Tu vas à droite. Tape dans le fion. Voilà. Bah, c'est pas encore, en fait. Ok. Dorimi, Interimo, Adare, Dorime, Ameno, Ameno, l'attirer. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? T'es possédé? Est-ce que t'es possédé? Il est possédé. Bien joué. J'espère qu'on en aura pas besoin. Sinon, ça va m'énerver par contre. Oui. Ok. Ah, il ne vient pas de notre planète. Bah, c'est vrai que c'est le seul humain d'une certaine planète, je pense. We did it! Bon, le niveau est cool en vrai. Sympathique. Un peu long, mais sympathique. C'est une incantation druidique pour te souhaiter bonne chance, mais c'est quoi? Ça sort d'où? D'où est-ce que ça sort? Passons au dernier niveau, au niveau de The Only Human! Oui! Alors. Alors, tac. Tu connais pas la chanson Ameno? C'est la chanson des prêtres là? Attends, mais si c'est la chanson des prêtres, j'avais la référence au début, mais je pensais pas que t'étais parti sur ça. Ça m'étonnait un peu, c'est pour ça. C'est les visiteurs? Je suis perdu, hein. Vous me perdez un peu. 9 HQ. C'est RA le groupe, ouais. Mais c'est la chanson des visiteurs, je crois aussi. Il me semble. BFF. Ah, c'était pas les prêtres alors, oui. Je sais plus, ouais, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Level scan change second time. Everything in this jungle is different the second team. Let us go. Ah, c'est bien pris dans les visiteurs aussi, d'accord. Ouais, donc c'est bien la chanson que j'ai en tête. Donc c'est bien ce que j'avais en tête. Je pensais que c'était les prêtres qui l'avaient chanté, mais je crois qu'ils l'ont peut-être rechanté, les prêtres aussi. Je sais plus. Je ne sais plus. Enfin, je dis les prêtres, mais le groupe s'appelle pas les prêtres. Hein. Ouah. Et paf, la bombe. Ouais, ça on connaît ça. Salut. J'ai failli mourir. Flippant. Un petit chapeau de ses morts. Donamé. Pourquoi ça fait ça? Dégage. Mais les lianes. Les lianes. Donne-moi ça. Reste accroché aux lianes. Bonjour. Salut. Toi-même, ok. Enfin, pour qui, là? Tu me dis à moi. Ah, dommage. Ok, il faut une shell. Bonjour. Salut. La manette. Salut. Quand tu me parles de Preds et Kets, ça me rappelle la parodie de Palma Show qui a repris la chanson de Backstreet Boys. je crois pas l'avoir vue, ça. Je ne pense pas l'avoir vue. Calme-toi. Faut pas s'énerver comme ça. Ça, c'est pas grave, ça. Mais calme-toi. Allez, paf, rebond, nique plus sa race. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ah, la moitié. Papalapa. Ah oui, le niveau change la deuxième fois qu'on le voit. Bah oui. Très bien. Ok.
Très bien. Qu'est-ce qui va se passer là? Ok. Soit. On grimpouille. Excellent. D'accord, sur ma tête. Ok, on perd forcément. C'est pas des pièces ou si c'est des pièces? J'ai pas trop envie de prendre cette porte, je le sens pas. Ok. Oh, c'est marrant. C'est marrant ce niveau, ça change un petit peu. Tata. Pouette, 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 pouette. Bon, eh bien, c'était cool. Aïe, 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 aïe. Petit étirement. Qui fait du bien. Bon, eh bien, nous allons passer à... À Ifho, je pense. On a fini avec Mario Maker aujourd'hui. Merci pour le GG, merci. C'est un bon niveau. J'ai bien aimé. J'ai fortement aimé. Bon. Bon, bon, bon. Eh bien... On s'arrête là pour Mario Maker aujourd'hui. On recommencera demain à midi, je pense. Ouais. Comme d'hab. Là, on va partir sur Ivo avec Nas. Et d'autres personnes, si d'autres personnes veulent venir, si vous avez le jeu. Sinon, on va y aller à deux. Donc, je vais certainement me téléporter à droite, comme par magie. Attention. Attention. Oh, j'ai disparu. J'ai disparu, reviens. Je suis là. Ok. Par contre, lui, il n'est pas à jour. Leader. Compteur, sub. Nous sommes à 11, hein. Faut pas déconner. Il ne faut pas déconner, merde. Quel précipitateur, t'as vu ça un peu? Incroyable. Bon, j'éteins cela. Je pose la manette. T'as vu ça le magicien? C'est incroyable. C'est Nas qui m'a pris ce tour de magie. Tour de magie incroyable. Je fais un appel à Nas, hein, je pense. Je fais l'appel à un ami. J'espère qu'il me snobera pas ce coup-ci.